Bienvenue dans cette suite de vidéos tutoriels où nous allons apprendre ensemble à se servir de Sketchfab. Au travers de ce tutoriel découpé en plusieurs chapitres, nous allons voir pas à pas et découvrir la plateforme Sketchfab. Nous allons dans un premier temps voir ce que Sketchfab nous propose en termes de menu, comment naviguer sur le site et apprendre à le connaître. Nous allons par la suite, grâce à un exemple, découvrir pas à pas tous les paramètres que Sketchfab nous propose pour intégrer notre travail en 3D dessus. Nous allons par la suite intégrer ce merveilleux chandelier que j'ai fait spécifiquement pour vous pour ce tutoriel de A à Z. Donc nous allons l'importer, gérer l'animation, la petite mèche avec les particules. Nous allons créer les lumières, les matériaux, les différentes annotations présentes, gérer les post-effets caméra, etc., etc. Tout pour avoir un rendu temps réel de qualité professionnelle. Un petit chapitre bonus est dédié aux particules. Voir comment j'ai réalisé l'animation des particules, qui, je pense, pourrait en intéresser plus d'un. Vous l'avez compris, c'est un tutoriel assez complet que je vous propose de suivre dès à présent. En cas de problème, de question ou autre, n'hésitez pas ou à m'envoyer un message ou à mettre un commentaire, j'y répondrai. Et puis, dans un autre temps, quand vous aurez fini de regarder toutes les vidéos, n'hésitez pas à me dire ce qui va, ce qui va pas, les points à améliorer, peut-être dans mon élocution, dans ma manière de m'exprimer, etc., etc. Bon tuto à vous et à très bientôt.